ce jour, 30 août 2023. Nous sommes un peuple libre. Résoudre la problématique de l'employabilité au Gabon a longtemps constitué un défi pour les autorités gabonaises. Depuis l'arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions, plusieurs opportunités d'emploi ont vu le jour. C'est notamment le cas à travers les lancements des chantiers. Comme un peu partout dans le pays, les chantiers qui ont vu le jour ont été de véritables pourvoyeurs d'emplois. Mais une question demeure, c'est quel sera le sort de ces jeunes une fois les chantiers terminés? La ville de Yem, dans le nord du Gabon, est en plein chantier. De part et d'autre, une ruelle est en travaux, un bâtiment en construction, une administration en réflexion, offrant ainsi à la jeunesse de la localité plusieurs opportunités d'emploi. Je suis déjà content parce que le taux de chômage a diminué considérablement avec les sociétés qui travaillent les routes. Et là, c'est... Les jeunes qui cherchent des emplois et qui trouvent les emplois avec ces sociétés qui travaillent et qui construisent les routes, le taux de chômage diminue. En sillonnant la ville, il est impossible de faire trois ruelles sans croiser un jeune vêtu des pays. Équipement de protection individuelle, signe de son appartenance à une entreprise de la place. J'ai cherché le travail très longtemps. Avec le temps, grâce à Dieu, nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous nous voici maintenant, aujourd'hui, on travaille. Mais ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile pour nous de trouver de l'emploi. L'une des conditions de l'octroi des marchés de construction par l'État gabonais est bien évidemment centrée sur l'emploi des jeunes des localités concernées. Cette mesure est respectée ici à OIM. Je suis à 92% de ce que le CTI avait demandé. Il avait demandé qu'on peut employer 80%. Moi, je suis à 92% des Gabonais et toutes les provinces sont représentées ici à OIM. Alors, le roi des chantiers OIM, c'est 166 emplois directs, 300 emplois indirects avec 10 sous-traitants gabonais, avec tous les corps de métier nécessaires pour la réalisation des voiries. Du terrassement, qu'on conduit des engins, les jeunes spécialisés dans la conduite des engins lourds, le chantier. C'est des métiers de la maçonnerie, des métiers du coffrage et du ferraillage. Sur les chantiers, pas besoin de qualification particulière. Avec ou sans expérience, tout ou presque s'apprend sur place. On a des jeunes qui viennent en HTM, ouvriers non qualifiés, qui vont bénéficier en appartenant à une équipe d'un certain savoir-faire. On a des jeunes qualifiés, des maçons, des coffreurs, des menuisiers, qui sont également là et eux, qui vont servir de maîtres artisans, ceux qui sont en train d'apprendre. On a également des experts, alors ce sont des experts du bâtiment, du génie civil, qui sont des personnes qui vont nous permettre de préparer ce qu'on est en train de faire actuellement, des modules de formation pour renforcer les formations pratiques par des formations théoriques. Parmi ces travailleurs, on retrouve ceux qui n'avaient aucune qualification et qui, depuis longtemps, étaient à la recherche d'une opportunité d'emploi. Ça fait 6 à 7 mois que je travaille ici. Bon, au fait, je ne suis pas encore embauchée. Je suis dans les sous-traitants. Je m'apprête même à être embauchée. On a longtemps, bon, j'ai cherché longtemps à avoir du travail. J'ai appris, j'ai eu la chance d'apprendre un métier. Je ne suis pas la seule femme sur le site, mais je suis la seule femme en tant que maçon. En tant que maçon, nous sommes là pour tirer les panneaux, hein, pour faire avancer les routes. D'autres, en revanche, ont été contraints de se reconvertir, faute d'emploi dans leur spécialité. Le lancement des travaux dans la province, parce que dans la ville d'OIM, a aidé beaucoup de jeunes à trouver de l'emploi. Bon, parfois, même si on fait dans la reconversion, parce que c'est pas tout le monde qui a fait dans le BTP, parfois c'est dans la reconversion, et parfois on est un peu noyé, mais on est obligé de faire avec. La
plupart des chantiers initiés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions ont des délais de réalisation assez stricts et courts, ce qui suscite une inquiétude chez les jeunes dont la plupart ne sont embauchés qu'à temps partiel. L'inquiétude, en fait, c'est retomber encore dans l'angoisse de la recherche de l'emploi. Il faut encore entreprendre des démarches, il faut toujours les entreprendre à nouveau. Bien évidemment qu'en ce moment, ça nous favorise quand même, ça nous permet de résoudre les quelques problèmes que nous avions déjà. La rentrée scolaire arrive à grands pas, ça va nous permettre plus ou moins de s'occuper un peu plus ou moins de notre petite famille. Les préoccupations pour le moment, c'est que, bon, c'est comme là, c'est bien dit mon frère, c'est que ici on travaille en contrat d'ouvrage. C'est que après la construction du marché, on va se retrouver à la recherche d'un emploi. Et on sait déjà que c'est pas facile. Donc on se demande, on va faire comment après le chantier. Certaines sociétés de la place essaient tout de même de trouver des solutions futures à cette question. Alors, l'avantage de ce chantier, c'est que nous avons des compétences qui encadrent ces jeunes et leur permettent de se spécialiser dans certains métiers. Je vais prendre par exemple les dames que nous avons autour des métiers de bétonnage des voiries. Ce sont des dames qui sont là et qui sont formées par nos experts à manipuler, utiliser et produire du béton. Nous avons des dames ferrailleurs, nous avons des dames aides mécaniciennes qui sont en train d'être formées. Par ailleurs, nous travaillons également avec la PNPE qui nous met à disposition du personnel, soit pour renforcement de capacités, soit pour des stages écoles, des stages en entreprise pour la soutenance de leur rapport et leur mémoire de fin d'études. À la fin des travaux de construction dans la province de Wolentem, certains jeunes sortiront de là avec une expérience en plus de leur diplôme. Grâce aux multiples chantiers lancés dans la ville de Yem, ce sont près de 60 à 70% des jeunes qui y ont trouvé un emploi que l'on pourrait qualifier d'indirect. Pour ces jeunes, une inquiétude demeure encore. Et c'est donc vers le Comité pour la transition et la restauration des institutions que se tourne cette jeunesse soucieuse de leur emploi à venir.